Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de Monsieur Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon imagier de l'école maternelle. 300 photos pour tout connaître de la petite école. Des éditions Milan Jeunesse. Mon imagier de l'école maternelle, partie 1 sur 10. Avant l'école. Le matin. Le réveil. Dring Il est 7h30. Tu ne seras pas en retard à l'école. Allez, debout. Le lever. Un petit effort. Il faut te lever. Une journée d'école t'attend. Le petit déjeuner. C'est un repas important pour être en forme nourrissant. Il t'apporte plein d'énergie. Le brossage des dents. Le matin, tu fais une petite toilette et tu te laves bien les dents, c'est important. S'habiller. Le manteau, le pull, le pantalon, le débardeur, la jupe, les chaussettes, les baskets. Il faut choisir ta tenue. Selon le temps qu'il fait dehors, maman ou papa va choisir tes vêtements. Des habits bien chauds en hiver et plus légers en été. Le chemin de l'école. Le car. Quand on habite à la campagne, il y a parfois un car qui vient chercher les enfants. La voiture. Quand l'école est loin de la maison, tu fais le trajet en voiture. Le vélo. En quelques coups de pédale, tu parcours le chemin jusqu'à ton école. La trottinette. Elle est vraiment très pratique et c'est plus amusant que de marcher. À pied. Si l'école est proche de ta maison, tu y vas en marchant. Peut-être rencontreras-tu des copains sur le chemin L'arrivée. C'est le matin. L'école vient d'ouvrir ses portes. Les enfants arrivent petit à petit et entrent dans leur classe. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures.